Madame, Monsieur, bonsoir. Le troisième souffle, c'est le titre d'un futur CD signé du trompettiste dijonnais Thierry Kans, enregistré ici même à l'Auditorium de Lyon. Thierry Kans a joué des poèmes symphoniques écrits pour lui par trois de ses amis présents lors des séances d'enregistrement, Richard Galliano, William Scheller, Michel Colombier. Michel Plasson est venu diriger l'Orchestre National de Lyon. Le grand chef est aussi un ami personnel de Thierry Kans. J'ai toujours été démangé par mes projets que je voulais monter déjà très tôt, que c'était sur la musique de chambre ou de faire de l'écriture, et pour une forme d'aboutissement qui serait aujourd'hui l'enregistrement de ce disque Troisième Souffle à Lyon, parce que c'est à Lyon qu'on a choisi de le faire. Si on est là, c'est parce que dans ta vie, la convivialité, ça a une importance. Et c'est d'ailleurs très très lié avec la musique, et en particulier avec les personnes que tu as invitées, entre guillemets, pour ton projet Troisième Souffle à Lyon. Complètement. Mais la musique est dans la vie, la convivialité, la gastronomie, tout ça est dans la vie au même titre. Et je ne conçois pas de pouvoir faire de la musique avec des gens avec qui je ne m'entends pas et avec qui je n'ai pas des relations qui dépassent le cadre musical. Ce que je te propose, Thierry, c'est qu'on aille justement à l'auditorium, qu'on entende ce travail en commun, le temps de faire un petit break, je crois, avec quelques délices parce que tu aimes la bonne chair. Oui. Et puis après, on revient discuter là. Volontiers. Avec son cœur et sa personne, est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui passent? On n'a pas forcément besoin de beaucoup discuter, mais que les choses après se transmettent comme ça, de manière naturelle et très humaine. Mais chaque fois, c'est une histoire d'amour, et c'est dans les premiers instants qu'on sent si ça va fonctionner ou pas, dans le regard, dans le sourire, dans le rapport animal finalement. Hein. Et là, bon, avec Thierry, on se connaît depuis longtemps, c'est des personnes que j'apprécie depuis très longtemps. Le musicien et l'homme, parce que pour moi ça fait un tout. Et avec Michel Plasson, c'est pareil, ça a été de suite ce contact, ce feeling, cette humanité qui dégage, qui dans son comportement, dans la gestuelle. Et ça, c'est toujours des rencontres très enrichissantes et très, très importantes. Ça peut déclencher. Oui, c'est intéressant d'entendre ça. Pour que ce soit dur, ça, le piano aussi, hein, tu fais pas assez. Vraiment, avec. Pas le son, joli son, hein, rude. Hein. Oui. Oui, les basses, c'est les mains gauche et mains gauche. De basse du piano, on a besoin. Alors. Elles sont pas très. Non, ne sonne pas. Ne sonne pas. Attends, fais entendre le début. L'harpe. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez fort. L'harpe. Il fera le montage. Je n'entends pas l'harpe. Chaque fois qu'elle a des glissandis, il faut lui sortir.
Pendant les intermèdes de détente et de lecture des enregistrements, les musiciens échangent leurs souvenirs de concert. Et Jean-Pierre. Oui. On a la chance d'avoir ça en mémoire. L'avoir vécu. Alors côtoyer ces gens-là, c'est... Oui, parce qu'on l'emporte. On l'emporte jusqu'à la fin de la vie, ça. Oui. Puis il vous aide à continuer aussi. Ce qu'on appelle l'exemple aussi. Comment fait-on pour arriver à faire l'osmose, comme ça, d'un chef avec un orchestre, plus d'autres personnes? S'il y a la musique, ça veut dire si c'est fait d'une façon généreuse, pleine de cœur et de tendresse, eh bien, on peut faire la musique. Vous savez, on la découvre, on se réunit très facilement, on l'a vu avec Thierry Cans et Galliano, très vite, on comprend le sens de ce qui est écrit et on essaie d'y ajouter ce qu'on appelle l'interprétation. L'interprétation, c'est ce qui fait vivre la musique. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a rien. Il y a la lecture des notes et ça ne veut rien dire. Les notes ne disent rien elles-mêmes. Mais elles disent si celui qui les joue, qui les dirige ou qui les interprète met son âme et son cœur dedans. Là, ça change tout et ça touche tout le monde. Oui, ben, il ne faut pas le faire justement parce que tu peux finir sur le do ou quelque chose. On n'a pas besoin de l'accord. Si tu enlèves l'accord, tu peux le faire. Fais-le une fois. Hein? Enlève l'accord. Comme ça, on a le glissando jusqu'au bout. On fera les deux fois pareil. Ce qui est important, c'est le glissando. Le premier temps, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la vague. Qui a... Alors, on fait encore 5 avant Marie, forte et piano. Baissez le son, laissez-la passer. Et puis peut-être un crescendo petit, mais descend le son. Et on va... Oui, exactement, je suis sûr qu'elle... on lui laisse le passage, là, un peu. Sordando et basta. Hein? Encore une fois, même 1, 2, 3, 4. Tu l'as là? Oui, oui, bien sûr. Même trop, parce que moi j'ai monté mes bras. Oui, maintenant, on avait un peu trop. C'est très intéressant au niveau de l'échange, c'est surtout très intéressant parce que c'est un chef qui prend en compte le problème de la harpe. La harpe est un instrument qui ne sonne pas, enfin, qui est toujours bouffé par la masse orchestrale. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir un chef qui prend en compte et qui essaye de faire en sorte que, bah, que la harpe puisse s'entendre un peu, parce que on peut jouer aussi fort qu'on veut face à un orchestre, on ne rivalise pas du tout. Donc c'est vrai que ça, c'est là-dessus, c'est très intéressant. Et là, vous avez la belle place, là. Oui, là, ça l'a. Oui. Ça fait du bien. On vient d'entendre, Thierry, le travail qui a été fait en commun avec Richard Galliano. C'est déjà une pièce que vous aviez travaillée, que tu avais travaillée à Dijon. Oui. On s'en souvient, il y a 2 ans. Avec plusieurs orchestres, d'ailleurs, de région, avec l'orchestre de Tours, l'orchestre de Normandie, l'orchestre de Massy. Hein. Donc l'idée, c'était ça, c'est de mettre, carrément mettre, l'enregistrer, ce travail de création. Et puis là, maintenant, il y a aussi tout le travail qui est fait en permanence avec Michel Blasson, qui lui est à la baguette, et qui vient d'annoncer que, ben, justement, il quitte l'orchestre de Toulouse. On est très amis, et il a toujours dit qu'il aimerait faire quelque chose, et quand je lui ai parlé, j'avais ce projet qui était en cours, il m'a dit « je veux le faire ». Et vraiment, il s'est impliqué dedans. Il a été vraiment le plus modeste et le plus arrangeant de tous les artistes que j'ai jamais rencontrés. Et tout ça pour faire en plus que la musique, en finale, soit encore mieux que ce que j'imaginais. Parce que c'est quelqu'un qui touche les choses et qui les transforme. C'est vraiment un artiste jusqu'au bout des doigts. Alors, on va écouter, si tu veux bien, William Scheller, parce que c'est l'homme aussi qui fait partie de tes amis depuis très très longtemps. Et puis après, on revient parler justement du projet. Qu'est-ce que va devenir ce projet? D'accord. On peut manger une huître comme ça. J'ai rencontré Thierry tout au départ dans des séances d'enregistrement qui n'avaient rien à voir avec les concerts, des choses classiques. Et j'aimais ce son de trompette qui était doux, qui ne faisait pas espagnol. Parce que des fois, on entend des sons de trompette avec des vibratos, ça fait un peu corrida, etc. J'ai dit, tiens, beau son de trompette. Et curieusement, après la séance d'enregistrement, il est venu me voir en me disant qu'il avait aimé la partie de trompette qu'il avait à jouer. Donc on a commencé un petit peu à discuter, à parler trompette. Et il m'a demandé si j'envisagerais pas d'écrire un concerto ou une trompette. Et au départ, j'avais très peur.
c'est un instrument, j'avais peur d'écrire vulgaire, j'avais peur d'écrire taratata, oui, enfin voilà, c'est ça. Il me dit non, non, t'inquiète pas, écris comme tu veux, tu vas voir, ça peut sonner très bien. Et effectivement, je vais proposer quelques mesures pour voir d'essais. C'était pas les bonnes, c'était pas ça qu'il fallait, donc je savais que c'était pas ça qu'il fallait. Et à partir de là, je me suis mis à travailler sur ce petit concerto. Je lui ai fait entendre quoi, les 4-5 premières pages. Et puis il m'a dit voilà, c'est ça que je voudrais. À partir de là, ça a été. Je l'ai réécrit relativement vite, finalement. Ça veut dire qu'en fait, entre l'imagination, l'écriture et la personne qui va l'interpréter, il faut qu'il y ait tout de même une osmose, il faut quand même une correspondance dans le style. Et finalement, là, le style existe avec la création. Mais il faut garder l'interprète constamment dans l'esprit quand on écrit quelque chose. Ingénieur du son, non seulement il est ingénieur du son, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la technique d'enregistrement, mais en plus c'est un homme qui peut lire une partition d'orchestre et qui repère quand tel instrument faut le ressortir un petit peu, tel instrument faut le modérer, tout ça. Ça demande une double connaissance, c'est-à-dire une connaissance musicale et une connaissance technique. Ça va beaucoup plus loin que nous, qui nous arrêtons au papier à musique et à nos notes. C'est très très important en soi. La Thierry Kans, en fait, maintenant, ce projet, il faut qu'il se concrétise. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dès l'enregistrement fini, il faut faire ce qu'on appelle le montage et le mixage, et puis après le proposer à une maison de disques, comme on a encore dit. Et vu la nature du projet, son originalité, le plateau, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui y a dessus, l'Orchestre de Lyon, Plasson, les musiciens qui ont écrit ces musiques, puisque c'est toutes des créations, hein, Scheller, Galliano et Colombier. Voilà, c'est la fin de ce magazine consacré aux trois souffles du trompettiste dijonnais Thierry Kans.